Et pour le ministère des Passés, saluez-nous. Et ne connaît que demain, c'est 3000. On est latino-américaine de la liberté de la presse. Et PM avec nous là, comment ça va? Bon, en forme Valérie, et je devrais lundi à passer saluer nous, passer saluer tout le staff là. Et réitérer tout engagement que le gouvernement Matéli Lamotte l'a gagné sur la question de liberté de la presse, question acquis de démocratie. Et je crois que le pays latino-américain a fait le demain. Et nous-mêmes en Haïti, nous faisons un pile progrès depuis l'année, côté de la suppression de la liberté d'expression. Nous, aujourd'hui, nous recueillons un pile progrès qui fait dans ce sens-là. Et nous voulons encadrer le progrès, nous voulons marcher avec nous. Mais quid de le ministère de la Communication, et puisque il y a des questions que j'ai changement fait dans le ministère, vous avez une question sous communication. Bon, en réalité, on connaît que il y a une situation de AI. Donc, on a travaillé sur lui pour que prochainement nous soyons capables de combler pas sûr, que ce soit dans le commerce ou que ce soit dans la communication. Il y en a eu plein en pile le fait que par rapport à la question d'accès à l'information, et c'est une nouvelle que je pense qui est capable de vraiment montrer que la liberté de la presse est respectée, la liberté d'expression, la liberté pour une possibilité de joindre l'information. Donc, dans ce sens-là, qui gros effort nous a dit que le gouvernement fait? Bon, nous, pratiquement, toute information communiquée en temps réel, donc, bien, par exemple, là, on peut que ce soit dans la primature, que ce soit dans le palais, en plus tout ministère, nous mettez à disposition la presse là pour non seulement répondre aux questions, mais pour expliquer tout, expliquer et éduquer la population sur un pile dans le programme. Parce qu'il y a un pile programme qui a fait de nous comprendre que parfois les cap difficiles pour comprendre tout le programme, pour comprendre côté tout le programme. Ça. Et bien, c'est une administration qui a fait un pile effort et qui a mis un pile programme sur lui. Donc, mais même si. Si il y a des efforts additionnels qui vous faites, nous définitivement pareil pour nous entendre, pour nous mettre sur l'information disponible plus encore. Mais c'est de toutes les façons son objectif que nous fixons peut-être nous, que l'information est disponible et à la presse ou à quel que soit le monde qui a voulu connaître, qui sa gouvernement a fait, comment l'a fait. Mais il y a un pile bac à faire et très certainement nous allons continuer le travail. Donc, certainement communiquer beaucoup plus sur le programme. Ça. Nous avons parti, nous prend rendez-vous pour la semaine prochaine, nous retournons dans la fin d'interview et très large sur l'activité et gouvernement et peut-être ce qu'a fait, ce qu'a annoncé comme projet, etc. Merci un peu pour visite. Merci un peu et puis nous voulons féliciter tout parce que de toutes les façons, indépendamment de ce qu'on fait dans la radio, nous avons une opportunité et occasion pour moi. Dominer l'hôtel, moi. Je me félicite pour ça parce que je connais que mon pays n'est pas facile pour qu'il y ait un standard, qu'il y ait un niveau. Ça. Donc, félicitations pour ça. Et félicitations pour Radio A, pour tout le monde qui a attendu Radio A. Nous sommes dans une situation à côté que nous-mêmes, gouvernement, nous avons fait. Ça, nous sommes capables pour nous développer le pays. Nous mettons le pays à notre niveau pour que nous sommes capables de faire du pays, nous, pour que nous ayons des infrastructures de base dans le pays, pour qu'il y ait de bonnes routes, pour que l'État soit capable d'avoir des capacités de reconstruire la tête pour qu'elle fonctionne, pour que côté que nous avons construit des infrastructures pour les jeunes. Et nous avons besoin de solidarité et de tout le monde pour réussir cette mission. Donc, je me félicite, je remercie pour ce faire de l'information et de la population. Et Kébéla et Nabré prochainement. Merci. Merci infiniment. Le Premier ministre de la mode, Nabré.